Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, mes chers fans de Je communique suivi. Je vous présente Agir et communiquer en classe numéro 2. Je vous présente des expressions vraiment fréquentes qu'on peut utiliser dans les situations de communication variées. Alors, je vous offre ces expressions utiles pour vous pour communiquer bien en classe. On dit tout simplement, on va à la bibliothèque. C'est pour proposer quelque chose. On va à la bibliothèque, nous allons à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes d'accord? On va tous à la bibliothèque. Oui, pourquoi pas, bonne idée. Regarde ici, pourquoi pas, bonne idée. C'est pour accepter. Et pour ne pas accepter, on dit tout simplement impossible, j'ai du travail. Je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas une machine. On se réunit chez toi pour le travail, c'est la même chose. C'est pour proposer une action. Ou proposer de faire une action. D'accord, mais si vous parlez, je vous sépare. Si vous parlez, je vous sépare, c'est une sorte de condition. Parce que si plus présent, c'est quelque chose qui est réel. Si vous parlez, je vous sépare. Si vous bavardez, je vous sépare. C'est fini. Si plus présent, égale une chose qui est réelle, une condition vraiment réelle. Alors, lorsque tu as fait un petit faux, on dit, je me suis trompé, monsieur, ce sera donc la dernière fois. Pour donner l'excuse, on dit, je suis allé chez le médecin. Et le prof te moque de toi, on dit, quelle va être l'excuse d'aujourd'hui, hein? Est-ce que tu vas mentir, comme d'habitude, non? Ah, monsieur, il a écrit sur mon livre. Je n'ai pas fait les exercices parce que tout simplement je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris, alors je n'ai pas fait les exercices. Impossible du travail, on a déjà parlé de ça. Bonne idée, on a déjà vu ça. Alors pour une action future, on dit lundi je serai absent ou absente. Je dois aller chez le dentiste. Pourquoi on ne fait pas une bataille navale? C'est pour suggérer, proposer une action. D'accord, mais apporte-moi un mot d'excuse. Ce n'est pas vrai, c'est un menteur, c'est une menteuse. Par exemple, lorsqu'on parle à une fille. Vous avez corrigé les examens? Tu m'attends à la sortie? Alors, c'est une sorte de suggestion. C'est une sorte de proposition. Tu m'attends à la sortie? Est-ce que vous avez corrigé les examens? Attention, le prof nous regarde. Nous regarde. C'est le prof qui nous regarde. Je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas une machine. Lorsqu'on refuse, par exemple, un offre. Je peux m'asseoir à côté de Paul. C'est une sorte de suggestion, proposition. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. C'est pour consoler quelqu'un, par exemple, parce qu'elle a un problème. On dit, tu n'es pas le seul à ce problème. Tu n'es pas la seule à ce problème. C'est fréquent. Alors, je viens de vous présenter quelques expressions utiles. C'est communiquer en classe numéro 2. Voilà. Alors, attendez encore voir de nouveautés sur notre chaîne, Je Communique TV. C'est avec vous, Monsieur Youssef Dalel, qui vient de vous présenter une vidéo vraiment très intéressante pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur like, c'est le bouton like, et aussi la cloche pour recevoir toujours de nouveautés sur notre chaîne. Merci de votre fidélité et à la prochaine.